En vrai, comme ça, je serais un peu motivé de refaire du rando dessus. Parce que je voulais le refaire en casu, bah voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Gaga, voilà. J'espère que j'en ai pas raté en tout cas. Et nous y voilà, le château de Ganon. Link, c'est moi, Rauru, peux-tu m'entendre? Nous, les six sages, allons concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le château de Ganondorf. Le donjon, la tour de Ganondorf, est protégée par six barrières maléfiques. Abat ces barrières, les abattre, et sauve la princesse Zelda. Qu'est-ce qu'il regarde, Link? Link, il regarde le sol, là, je sais pas ce qu'il regarde. Ah bah voilà. Je peux aller là? Ah ouais. Je peux m'amuser à aller là, ça sert pas à grand-chose, mais je peux le faire. Par contre, je suis un peu con, là, derrière. Un bon drapeau LGBT. Bon allez. La tour de Ganon. Bon, cela on va les éviter, hein, puis voilà. Voilà, et il y a six barrières à abattre, comme nous l'a dit si bien le prophète Rauru. Mais il y a surtout quelque chose ici. Oh, il y a des fées. Potion verte. Des bombes. Des flèches. Et ça c'est une potion rouge. Ok. Alors, moi j'ai un chemin... Merde. J'ai un chemin assez précis en tête. Parce que je sais par lequel je souhaite commencer. Et c'est celui de l'ombre. Allez, allez, tu peux le faire. Alors ici, c'est tout simple. C'est 5 rubis. Je vais avoir besoin des flèches de feu ici. De ça. Et très certainement des bottes désert. Ah, j'avais pas besoin, putain, c'est vrai. Oh non! Ma tunique! Ma tunique! Ah merde! Ouais, bon, allez, très bien, j'ai compris. Bah, je suis pas assez proche. Proche. Oh là là.
Bon, tant pis, on profitera de la tunique rouge, hein. Par là, par là, par là, par là. Putain! vous trouvez les gantelets d'or, une puissance démesurée vous envahit. Appuyez sur A pour soulever d'énormes objets. Ok. J'ai besoin de ça, je crois. Y'a pas un truc là? Ah si, y'a ça là! Attends, est-ce que je peux l'avoir au moins? Ah oui, je peux large l'avoir. Ok. Et ça, c'est la barrière. Hop! La barrière de l'ombre s'est dissipée. Va et sauve la princesse. Allez, la première barrière, c'est fait. Est-ce que je vais faire ce que je vais faire? Oh, c'est simplement quitter le shot. C'est quitter la tour pour l'instant. Parce qu'il y a quelque chose à faire encore. C'est un peu long là quand même. Voilà. Et en fait, là je vais chercher le tout dernier objet du 100%, qui n'est pas un 100% du coup, parce qu'il manque deux objets, mais bon. Dont un que j'ai perdu. Le dernier se trouve ici. Et hop là. Voilà, la puissance démesurée, hein. En fait, j'ai une fée ici, hein, c'est pas rien. Bienvenue Link, je suis la divine fée du courage. Je vais renforcer ton endurance. Qu'il en soit ainsi. Oh mon Dieu! Votre endurance a augmenté. Tes blessures seront désormais réduites de moitié. Ou alors, on peut voir la chose autrement, c'est comme si j'avais 40 cœurs. Si les batailles à jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Voilà, voilà, c'est terminé, c'est le dernier objet du jeu.
Maintenant, je peux me préoccuper d'autre chose. Merci, Darmaniac. Oula, oula, oula! Pas comme ça que ça doit marcher, hein. Allez, cette fois c'est vraiment parti. Ok, qu'est-ce que l'eau? Allez, dégage. Ici, il faut le Fuddin, il faut ceci, et ok. Mais pas pour maintenant, pas pour maintenant. Cinq rubis. J'aime bien, n'empêche, là, comment les ombres, elles sont cohérentes, là, par rapport aux flèches. On a un peu des ombres de partout, et quand on va là, hop, voilà. Eh, ils ont... Eh, on parle donc pour la Nintendo 64, hein, en vrai, hein. Oh, putain, j'ai oublié ça. Oh, putain. Merde. Ok. Wouah. Ok. C'est un peu la panique ici. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment, il y a des fois, il y a un gros souci du détail. Ok, ça c'est fait. Et la barrière de la forêt. Ah, ceci est un cœur. Ok, il y a une petite portion de magie quand même. La barrière de la forêt est dissipée. Vite, Link! Et 2-2, plus que 4. Oh, maintenant il y a l'eau. Ah merde! Je suis vraiment obligé de dégager une de mes potions là? Un cœur de vie. Toi, tu fais comme si tu n'existais pas, s'il te plaît. Voilà, il y avait bien Ice Trap. Bon. Ça m'ennuie, hein, mais bon. C'est comme ça, I guess, hein. Pas grave.
Salut Zephy! Comment va? J'espère qu'il fait pas trop chaud chez toi. Oh putain, comment on fait déjà ici? Je sais. Non, l'énigme elle est conne en vrai, c'est bon. Salut Marvin! Ah bah voilà, il y en a qui viennent pour la fin, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Là, il y a une fée de mémoire, hein. Ça va, j'ai déjà un peu chaud, mais on fait avec. Allez. Je me demande s'il n'y avait pas moyen de casser ça là. Bon. Je pense qu'il n'y avait pas moyen de casser ça au marteau à travers la barrière de glace. Bon, déjà, tu vas me rendre ma bouteille pleine là, s'il te plaît, merci. Je pense pas que j'en ai besoin, mais au moins j'ai quelque chose. Quand même marrant que ce soit le temple de glace ici qui soit représenté. Enfin, le Ice Cavern qui soit représenté. Hein. Un rubis et de la magie. La barrière de l'eau est dissipée, dépêche-toi! Allez, la moitié c'est fait. Les ténèbres c'est fait. Bah, du coup il reste feu. Feu, lumière et esprit je crois. Ouais, c'est ça. Alors ici je recommande d'avoir les bottes des airs. Parce qu'en fait cette plateforme centrale elle croule sous nos pieds, pour une mais pas avec les bottes des airs, pour une raison que j'ignore. Merde, je voulais flex, mais ça a pas voulu. Bon, faut arrêter d'être con là, par contre. Hein. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai pu flex. Et allez, encore un petit coup de force 3 là. De gantelet d'or là. Putain, c'est. Je trouve ça tellement débile, moi j'adore en vrai. J'adore quand c'est débile. Ok. Ouh, la grosse magie là.
Cool. Ah bon, bah très bien. Bon, c'est pas grave. Y a un cœur, c'est de la magie, j'imagine encore. Ouais, y a pas de flèche ici. Bizarre quand même. La barrière du feu s'est dissipée. Vite, frère. Et plus que deux. Plus que deux, plus que deux. Oh, et si on terminait? Non, non, je peux terminer par la lumière, ça fait des allers-retours chiants après. Allez, c'est parti pour la lumière. Et à peu de choses près, il y avait un gros rocher qui retournait sur Link. Hein. Mais bon, je pense qu'il a l'habitude au final. Il a dû se dire, ouais. Ah oui, il y a des ennemis invisibles ici. Alors, sachant que les ennemis invisibles, certains ennemis, quand on leur tire une bonne grosse flèche de lumière... Il donne 50 rubis. Voilà, sachez-le. Par contre, j'ai pompé ma magie à un point, là. Allez, c'est parti pour la salle au trésor de Ganondorf. Ok, un cœur. Ah, un ice trap. 5 rubis. Putain, y'a pas grand chose ici. Hein. Oh! Putain, y'a 3 ice trap ici. La vache. Une petite clé. Ganondorf s'est dit, oh c'est bon, allez, le messager de la famille royale, là il va pouvoir faire la berceuse ici. Tout va bien se passer de toute façon. Et il est sympa Ganondorf hein, quand même. Alors... Putain, j'aurais juré que ça donnait des... Merde. Cool. Ah, dégage, dégage, dégage. Ah ah. Et là, y'a rien. Mais si, c'est juste un piège, de hein, toute façon. Voilà. Ok, je récupère quasiment toute ma magie, là. Et voilà. Évidemment, les flèches de lumière, elles demandent plus de magie que les flèches de glace. Hein.
La barrière de la lumière est dissipée, vite! Ok. Ah, il manque plus que le temple de l'esprit et ce sera terminé. Wow. Il va m'emmerder, lui. Des bombes. Ah. Alors moi j'avoue je m'en fiche de me. Sonic Unleash au volant, what? C'est possible ça? Oh. La magie. Tu vois, je savais même pas que c'était possible. Hein. Ah, et ça, c'est un pack de 20 missiles, ok. J'y arrivé. Voilà. En volant, ça va être une expérience trop bizarre. Ici, il y a un coffre, je crois. Ouais, là. Des flèches. Je vais avoir besoin de ça. Non, pas de ça. Oh là là, on veut m'attaquer. Ah, c'est celui-là, ok. Et du coup... Allez, suivant. Et c'est fini en fait. Oh, des noix. La barrière de l'esprit s'est dissipée, vite gamin. Et voilà. Et ben voilà. Allez. La deuxième partie du donjon, c'est maintenant.